Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Isa Ferrer. Alors, quelle est votre actualité en ce moment? Vous avez déjà sorti des albums, Ultra Ferrer et un album live. Et vous êtes aussi en tournée, me semble-t-il. C'est ma toute première tournée. Et d'ailleurs, je suis ravie de la démarrer à Lille le 4 juin au Splendide. D'accord. Et vous connaissiez déjà Lille ou... Oui, bah justement, c'est pas un hasard. En fait, si je commence par Lille, j'ai eu à chaque fois un super accueil et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de démarrer par cette ville. D'accord. Et en plus de Lille, vous faites d'autres dates ailleurs aussi, je pense, dans d'autres villes. Le 7 juin à Lyon et le 25 juin à l'Alhambra à Paris. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez à votre public? Est-ce que c'est des chansons du dernier album ou un mélange d'anciennes et de nouvelles chansons? C'est un mix en fait entre tous mes albums. Il y a beaucoup d'Ultra Ferrer, certes, mais c'est un vrai... Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment un vrai show. C'est un vrai spectacle avec des danseurs, des chorégraphies, des costumes. Le show. D'accord, le grand show. Alors, dans votre dernier album, on remarque plutôt des influences un peu dance, pop-rock. C'est vraiment votre style Oui, en fait, j'aime bien pouvoir naviguer dans plusieurs styles différents. Et à travers un album ou à travers un concert, on peut vraiment se permettre de proposer plusieurs choses. Donc c'est vrai que c'est un espèce de voyage musical à travers tous mes albums, différentes ambiances qui ont été ponctuées par différents costumes créés par les Dupré Santa Barbara. Et voilà, c'est un spectacle à voir. Moi j'ai remarqué que vous avez collaboré avec Slam. Comment ça s'est passé? C'est une rencontre avant tout, on avait un univers très proche. Il avait les idées les mêmes idées que moi en fait. Donc ça a accroché, j'aimais bien les visuels qu'il m'a fait en fait, parce qu'on était vraiment tout à l'osmose. Et justement, dans l'une de vos pochettes, il y a des couleurs rainbow. Alors est-ce que ça signifie quelque chose ou c'était juste pour l'esthétisme? Non, c'est pas juste pour l'esthétisme en fait. Je suis très très liée en fait aux homosexuels en tout genre, et c'est pas du tout un truc que j'ai calculé. C'est vraiment quelque chose que j'ai depuis toute petite, déjà au collège. Je pense que mes premiers amis étaient homo, mais ils le savaient pas encore. Donc c'est vraiment un truc qui n'est pas calculé. Je pense que c'est on se ressemble, une sensibilité, un goût pour la fête. Je sais pas en fait, c'est vraiment un truc que j'explique pas. En tout cas, c'est là et j'en suis très fière parce que c'est un public très fidèle. C'est vrai que je suis entourée, mes amis sont la plupart homo, mon public aussi. C'est partie de ma vie en fait, et c'est vrai que moi je fais aucune différence. C'est pas ce qui m'intéresse chez les gens en fait, de connaître leur sexualité, pour moi ça n'a aucune importance. Et vous aviez aussi sur internet, vous avez en fait, c'était le cas de suicide chez les homos. On vous a voulu vraiment vous engager à dire qu'il fallait discuter, hein. C'est ça. En fait, moi je m'engage sur ce qui me touche. Et c'est vrai que ça me touche en tant que maman moi-même, je trouve ça complètement dingue. Alors qu'à notre époque, il y a encore des tabous comme ça, et encore, c'est trop grave pour pas en parler, quoi. Donc voilà, si ça peut apporter un tout petit soutien, un tout petit truc, je le fais. D'accord. Et est-ce que vous avez des projets dans... Le projet, là, tout de suite, c'est la tournée. Donc, le 4 juin, au Splendide. D'accord. Et le reste. Et sinon, toujours un nouvel album. Je repars en Russie, parce que ça marche beaucoup là-bas. Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, vous êtes souvent sur les routes, alors? Oui, dans les avions. D'accord. Je vous remercie pour cette interview. Et puis, je vous souhaite bonne continuation et puis de bonne chance pour la suite. I'm not afraid to
Tout à l'heure, nous avons interviewé Laurent. Et vous, comment vous appelez ? Miguel. D'accord. Et pourquoi vous faites gogo danseur ? Parce que c'est mon métier. Je suis danseur et stripteaseur en même temps, donc voilà, je suis venu parce qu'il fallait. Depuis quand vous faites ça ? Ça fait plus ou moins 3 ans maintenant. Et est-ce que vous faites du sport pour vous entretenir ? Qu'est-ce que vous faites ? Ouais. Je fais 1h30 de musculation par jour, à raison de 4 jours par semaine. Et je cours aussi, je fais du cardio, quoi, beaucoup de cardio, en plus de mon boulot. Quoi. Et vous tournez où exactement ? C'est dans la région que vous faites gogo ? Ouais, un peu partout, hein, un peu partout dans la France. Hein, et j'ai fini Bonheur des Dames, quoi, je vais danser. Et on peut vous contacter où ? Notamment sur Facebook, le site de Tout le monde de rencontre, il n'y a pas de souci. Ouais. Et vous avez une adresse sur Facebook ? C'est Miguel Kint. Attention parce qu'il y a deux adresses, une fausse et une bonne. Si je réponds, c'est que c'est la bonne, si pas, c'est que c'est la mauvaise, quoi, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Merci.